Le terme gaz naturel fait spécifiquement référence à un mélange d'hydrocarbures gazeux, principalement composé de méthane extrait des sous-sols pour des usages énergétiques, tandis que le gaz est générique et peut désigner tout type de substance à l'état gazeux. Il est principalement utilisé pour la production d'électricité, le chauffage et comme carburant. Cette année, le CABEF se concentre donc sur le rôle stratégique du gaz naturel dans le développement industriel et économique de l'Afrique centrale. Cette forum, pour moi, représente l'opportunité de la mise en place effective d'un projet communautaire qui aura un impact important sur l'économie de nos différents États ainsi que sur la vie de nos populations. Le forum explorera comment cette ressource abondante peut catalyser l'industrialisation, créer des emplois et dynamiser la croissance économique dans la région. Les enjeux sont très importants. Il s'en va d'abord de la souveraineté et la sécurité énergétique de nos États. Il en va aussi de l'épanouissement de nos États, de la transformation de nos économies dans des économies plus diversifiées. À travers des discussions et des partenariats stratégiques, le CABEF 2024 vise à élaborer des solutions innovantes pour surmonter les défis actuels et transformer le potentiel énergétique de la région en un levier de développement durable et inclusif. C'est donc l'occasion d'un plaidoyer pour une meilleure coopération entre les pays.